enregistrés. Avant de voter, ils vont montrer les cartes de séjour et les cartes de résident. Et nous allons veiller à cela. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. En 2025, si rien ne change, parce que demander déjà un contrat de bail à un Camerounais avant de se faire établir une carte consulaire, c'est anormal. C'est plus qu'un coup d'état électoral. Déjà, vous empêchez les Camerounais qui ne sont pas arrêts sur le sol étranger ou ceux qui sont établis de se faire enregistrer sur la liste électorale sous prétexte que vous avez imposé les cartes de séjour. Maintenant qu'il y a des Camerounais qui remplissent ces conditions-là, qui viennent avec le passeport, qui viennent avec leur acte de naissance, qui viennent avec les dernières 4 photos, ils veulent se faire établir une carte consulaire, monsieur l'ambassadeur demande le contrat de bail. Est-ce que vous comprenez ça? Je dis, ils sont 10 et j'ai des témoins. Et il y a des Camerounais de nationalité belge qu'on a enregistrés dans cette ambassade. En 2025, ils vont présenter le carte de résident, le carte de séjour et le contrat de bail avant de voter dans cette ambassade. Parce que je prends à témoin la police belge. Je dis encore, je prends à témoin la police belge. Depuis que les inscriptions ont commencé ici, on n'a empêché aucun Camerounais de s'inscrire, malgré le coup d'état électoral qu'ils ont imposé. On n'a empêché aucun Camerounais. Donc en 2025, vous allez seulement nous tuer ici à l'ambassade. Ça, je vous le dis. Et je suis ferme qu'en 2025, vous allez nous tuer, nous casser. Vous allez tirer sur nous ici à l'ambassade. Parce qu'on ne peut pas faire ça. Ce que vous n'acceptez pas dans votre pays, ne venez pas protéger ceux qui le font ailleurs. En 2025, les Camerounais qui sont enrôlés ici vont présenter une carte de séjour et la carte de résident avant de voter. Je l'ai terminé. Merci beaucoup. Tu crois quoi? J'ai gardé ta 2%. Amenez pipo, vina bokilo. Amenez pipo, vina bokilo. Amenez pipo, vina bokilo. How many people for Biagoki? How many people for Biagoki? How many people Allô, allô, allô. Nous voici. C'est ton téléphone. Ça, c'est ton téléphone. Nous voici. Ne cachez pas le truc. Nous voici devant l'ambassade Cameroun à Bruxelles. Nous sommes sortis aujourd'hui pour exiger le respect des Camerounais en diaspora. La première des choses que nous exigeons à l'ambassadeur du Cameroun à Bruxelles, qui est le représentant ce n'est qu'à lui qu'on peut adresser nos doléances. Si nous avons quelque chose à dire à l'ambassadeur ou bien à dire au peuple camerounais, ce n'est que devant nos ambassades qu'on peut venir s'exprimer. Nos ambassades sont des lieux appropriés, indiqués pour que les Camerounais puissent venir exiger ou demander quelque chose. Donc nous avons choisi donc de rentrer à la casa, donc à la maison, pour transmettre notre message. Il y a une chose que nous ne comprenons pas. Nous sommes Camerounais du fait que nos parents, notre mère, notre père est Camerounais. Nous avons des actes de naissance Camerounais. Et nous ne comprenons pas pourquoi pour voter en Belgique, pour voter pour les prochaines élections, on nous demande un titre de résident belge. Pourtant, nous avons notre nationalité camerounaise. On ne comprend pas cela. Le président Paul Biya
que ce soit un président par usurpation ou quoi que ce soit, reste néanmoins le président du Cameroun. Il nous avait dit qu'il ne rejetait pas les Camerounais de la diaspora et que tout au contraire, il ferait tout pour faciliter la vie aux Camerounais de la diaspora. Alors ma question aujourd'hui, est-ce qu'en nous exigeant les cartes de résidents et les titres de séjour, nous qui avons nagé, nous qui avons fui la misère, nous qui avons fui la guerre, est-ce une façon de nous faciliter l'intégration en Europe ou une façon de nous faciliter la vie? Voilà la première question que j'aimerais poser à ce président qui est à la tête du Cameroun depuis 42 ans et qui ne veut pas laisser le peuple camerounais respirer. On ne veut pas laisser le peuple camerounais respirer. Ils nous ont habitués à des coups de poing, à de la violence, à de la barbarie et maintenant c'est la distraction sur les réseaux sociaux. Nous assistons chaque jour à des rebondissements, à une série sans fin de représailles, de manipulations et de répression du peuple camerounais. Je vais profiter aujourd'hui, comme je suis devant vous pour vous faire passer un message. J'ai entendu plein de Camerounais s'indigner en disant « Oh, vraiment les Camerounais, vous êtes méchants. On ne comprend pas pourquoi vous ne soutenez pas Samuel Eto'o. On ne comprend pas pourquoi Samuel Eto'o est en train de subir une injustice incroyable. » Et vous restez indifférent. Je vais vous demander ceci. Bibou Nissa qui est en prison, qu'a-t-il fait? Rodrigue qui est mort, laissant trois enfants, qu'avait-il fait? Il subissait la même injustice. Et je n'avais pas vu les dépenses sortir un long test pour demander pourquoi ces Camerounais, si injustement, arrêtés sont embastillés. Pourquoi Dangelès Nguessam, ayant laissé un enfant émacié, fais-toi à la prison de Douala depuis plus de 5 ans. Elle a été arrêtée parce qu'elle était sortie demander une meilleure vie pour tous les Camerounais. Mais malheureusement, elle a été arrêtée. Je n'ai pas vu les Camerounais s'arrêter de respirer. Vous allez continuer vos vies. Je n'ai pas vu les artistes camerounais s'indigner. Et aujourd'hui, que nous assistons à une demi-finale de ping-pong entre le gouvernement Sardinard et Samuel Eto'o, qui est un autre Sardinard, vous nous demandez pourquoi on ne s'indigne pas. Je vais vous poser une seule question. Quand est-ce que Samuel Eto'o s'est déjà indigné pour la jeunesse camerounaise? C'est-il un jour indigné pour la jeunesse camerounaise? Non. Alors, c'est-il un jour indigné pour la jeunesse camerounaise? Non. Il me souvient, je me rappelle encore comme c'était hier. Ce même enfant du Cameroun, ce même enfant que nous aimons tant, que nous adorons tant, il nous dit chaque jour, je ne fais pas la politique. Mais il était le premier à aller dans le nozo. Manger le soya en disant, me voici qui mange le soya sans garder du corps. Que faisait-il avec tes peuples? N'était-il pas de la politique? Alors, nous sommes debout. J'aimerais dire aux Camerounais, j'aimerais dire au peuple camerounais que nous sommes debout en diaspora. Diaspora, nous avons la lumière, nous avons l'eau. Les choses que vous faites au Cameroun là, que vous regardez, vous comptez les votes avec la bougie, avec la lampe, ici, ça sera le catch. Ça va se jouer. 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 C'est 30 km, n'importe quoi. On va voter ensemble, on va compter ensemble, on va décompter ensemble et on va mourir ensemble. On s'est levé. Ça fait 5 ans que nous sommes dans les rues. Ça fait 5 ans que nous crions. Ça fait 5 ans que nous pleurons. Bien d'autres l'ont fait avant nous. Nous les avons retrouvés. Il est hors de question que ça passe. Il est hors de question que ça passe. Vous êtes plein. Quand on a déplacé deux chaises à l'ambassade du Cameroun à Paris, qu'on avait cassé l'ambassade. Attendez 2025. Vous verrez ce qu'on appelle casser une ambassade. C'était VDK. Ben Gomis, j'espère que le message est en train de bien se passer. Le représentant du Cameroun, M. Vina, nous écoute parfaitement. Je crois qu'il va relayer l'information à ce dictateur qui a 40 ans, sans air, sans lumière, sans hôpitaux, sans école, sans éducation au Cameroun. Je pense qu'il va comprendre et il va libérer le plancher. Il laissera le plancher à ceux qui méritent. Et ici, Monsieur l'ambassadeur, tous nous sommes Camerounais. Tous nous sommes Camerounais, comme vous. Je suis du Nord, je suis du Sud, je suis de l'Ouest, je suis de l'Est, je suis de l'Ouest. Filme-tu en voix. Je suis. On dirait que je suis à mort. Je suis à mort. Filme-tu en voix. Toi, déchet. Tu es comme.
Et aujourd'hui, tu as choisi celui qui va te diriger pendant 5 ans. Mais tu m'empêches de choisir celui qui va me diriger. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Je ne peux pas choisir celui qui va me diriger. Je suis belge parce que je suis en Belgique. Je suis camerounais. Pour être ici, j'ai bravé le désert, j'ai bravé la Méditerranée. Parce que tu es Cameroun. Tu m'as dit ici pour me protéger. Je ne peux pas choisir celui qui va me diriger quand je vais rentrer au Cameroun. Est-ce que c'est normal? Non. Monsieur Evina, nous allons rentrer au Cameroun ensemble. Je ne suis pas venu rester ici en Belgique. Je vais rentrer au Cameroun. C'est ça, en Belgique, aujourd'hui, c'est parce que le Cameroun ne va pas. C'est parce que le Cameroun va mal. C'est pour ça que je suis en Belgique. Et monsieur Evina, nous devons tout faire pour remettre le Cameroun. Tous, nous allons construire le Cameroun. Tous, nous sommes enfants du Cameroun. Nous devons construire ensemble cette nation. C'est notre nation. Les Omniobé, les Nawandi, ils ont laissé les sang pour ce pays. Pour que vous vivez comme vous avez vécu là. Vous avez eu les bourses pour vous tenter en Europe à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a pas de bourses. Étudiants, nous ne parvenons pas à avoir de bourse pour venir continuer en Europe. Mais vous, Evina, je suis sûr, parmi vous, vous avez des bourses pour venir continuer l'école en Europe. Aujourd'hui, nous n'avons pas ça. Nous n'avons pas cette faveur. Vous, à votre temps, vous travaillez dans la même société. J'ai appris, je n'ai pas vu, puisque je suis né il y a quelques jours. Au Cameroun, il y avait 250 sociétés d'État. Aujourd'hui, il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Parce que vous avez décidé que nous, la nouvelle génération, nous devons souffrir. Nous devons mourir. Mais non, nous allons nous défendre. Nous allons nous défendre. La patrie ou la mort nous vaincrons. Ici, je vous jure et je vous le dis, je vais m'immoler ici, devant cette ambassade, le jour des élections. Si moi je ne vote pas ici, si moi je ne choisis pas celui qui va me diriger, je vais m'immoler ici. Je parle, je parle, je parle, je parle, je parle. Personne ne doit voter ici. C'est clair. Si moi je ne vote pas, je suis Camerounais. J'ai pris la Méditerranée pour être ici. Je suis pas un passeur régulier. Et je vais rentrer dans mon pays. Ouais. Et je vais choisir celui qui va me diriger quand c'est mon combat. Je dis, je vais voter ici. Si je ne vote pas, ça s'arrête. C'est inadmissible que ça se passe pas. Que moi, Camerounais, moi, on me retire ma nationalité. Je les ai appartis. Je ne peux pas voter en Belgique. Je ne peux pas voter au Cameroun. Je suis allé de quel pays? Et puis là, je suis de quel pays? Tu veux me voter pour le Cameroun? Tu dois me dire de quel pays je suis? Je vais mourir ici ce jour. Je le dis. Ce jour, je meurs ici. Je vais m'immoler ici si je ne vote pas. Appelez toute la sécurité que vous allez avoir. Appelez tout. Vous allez me tuer ici. Vous allez me tuer en premier. Vous allez me tuer en premier ce jour. Je vous le dis. Et je prends le coup. Le doigt est très belge à témoin. Je le dis aujourd'hui et je continuerai à le dire. Oui, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de cette dictature. Nous sommes fatigués de cette barbarie. Nous sommes fatigués. Hier, vous avez dit, on n'a pas soutenu les jeunes, on ne soutient pas la jeunesse. Mais Dieu, on a mis les deux en train de brigader. On a mis les deux en train de nous espérer. Mais dis non, moi je suis posé la question. En 2000, moi j'étais au Cameroun à l'époque. J'ai assisté à la marche. On m'a arrêté. J'étais à Consamba, à la prison centrale de Consamba. J'ai été libéré. Menacé, même pas. Parce que j'avais marché. Parce que j'avais marché pour réclamer les élections, la victoire de Maurice Kamto. J'ai marché, on m'a arrêté. On m'a fermé à la prison centrale de Consamba. Après, j'ai été libéré. Non. Aujourd'hui. Non. Brice, s'il te plaît. Aujourd'hui, vous me dites que je ne vais pas choisir celui qui va me diriger pendant 5 ans. Monsieur Evina, vous vous trompez. Vous êtes léger. Vous allez vous montrer. Voilà, j'en ai terminé. Allô. Non, pas, les gars, manifestons, là, ne vous occupez pas de là-bas. Manifestons. Amen.
Bonsoir à tout le monde, bonsoir à la France. La France, est-ce que la France est là? La France est là! Voilà, la Belgique est très contente ce jour de vous recevoir pour cette manifestation. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour dénoncer la fraude préélectorale. Parce que la fraude a déjà commencé dans nos ambassades. Les ambassades qui sont les complices du régime. La fraude a commencé parce que les Camerounais ne s'inscrivent pas sur les listes électorales. Les ambassades empêchent aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. Et nous disons que non, il n'y aura plus un énième mandat électoral au Cameroun. Nous disons non. Nous disons non. Maintenant, on va passer à la prise de parole. Donc, chers combattants, rassemblons-nous. Tu me dis, adapter la S'il vous plaît, s'il y a des combattants qui aimeraient prendre la parole, le moment est venu. Et soyons brefs, s'il vous plaît, parce qu'on n'a pas assez de temps. Donc, et tout le monde doit parler. Donc, ne parlons pas beaucoup, soyons brefs. Amini pipo pour Biago Kilo. 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 You go kill me, Taya. Oh, you go kill me, Taya. Oh, you go kill me, Taya. How many people go kill? 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 Oh, you go kill me, Taya. Oh, you go kill me, Taya. Oh, you go kill me, Taya. How many people for Biago kill? Liberté! Liberté! Restons au-dessus. S'il vous plaît.
Non, 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 restons sur le foutoir, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les gars, restons sur le foutoir. Parce que j'ai vu la police commencer à nous filmer que j'ai dit sur le foutoir. Restons sur le foutoir, s'il vous plaît. Faisons l'effort, c'est pas facile, mais faisons l'effort. S'il vous plaît, restons sur le foutoir. Seul celui qui a la parole qui peut rester ici. Restons sur le foutoir, les gars. Les gars, sur le foutoir. On continue, les gars, on continue, mais sur le foutoir. Liberté! Liberté, au revoir Paul Biya, nous sommes libres. Liberté, liberté, au revoir Paul Biya, nous sommes libres. Parce qu'ils ne perdent pas avec nous depuis 43 ans.
sachez une seule chose, nos revendications ne seront pas entendues et ne seront pas non plus respectées. Je vais vous demander de continuer dans cette langue de mobilisation, de continuer dans cet esprit de combativité. Pourquoi? Parce qu'en 2025, quand les vraies choses vont commencer, quand les vraies choses vont commencer, nous allons prendre cette ambassade d'assaut. C'est nous qui allons diriger cette ambassade. C'est nous qui allons tout contrôler ici. Mettez ça dans vos têtes. C'est un message clair que vous avez aux autorités belges. Nous n'accepterons plus nous laisser diriger par un vieillard de 93 ans. Qui de plus empêche les Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales pour faire perdurer son pouvoir, pour faire perdurer sa dictature. Nous ne devons pas. On doit bloquer ça, on bloque les bêtises. Ils vont contre nous ailleurs. Ils nous empêchent de manifester là. C'est une manifestation déclarée quand même. On devait bloquer. Bloquer ce chemin-ci. Comme ça, ils vont contre nous ailleurs. Ils nous empêchent de manifester là. Franchement, c'est une manifestation déclarée. Mais vous devez empêcher tout là. Non, mais ils nous empêchent de travailler là. La manifestation est déclarée, monsieur. Non, mais vous n'avez pas le droit. Vous le faites exprès. Non, vous le faites pour nous perturber. Vous le faites pour nous perturber. Bon, d'accord. Non, on vous laisse. C'est en 2025 qu'on a rendez-vous avec vous. C'est en 2025 que nous avons rendez-vous avec vous. Donc, apprêtez-vous. Il y a quelqu'un qui tient un message solennel aux autorités belges. Laissez-nous chasser la dictature et nous déplacer dans notre pays. Laissez-nous chasser la dictature et nous déplacer dans notre pays. 43 ans, c'est beaucoup. 43 ans, c'est beaucoup. Nous savons que nos revendications ne seront pas respectées. C'est pourquoi je vous demande de vous préparer sereinement, physiquement, psychologiquement et spirituellement. Parce que ces ambassades, comme l'ambassade du Cameroun à Paris, comme l'ambassade du Cameroun en Italie, comme toutes nos représentations diplomatiques du Cameroun dans la diaspora, nous allons prendre le contrôle en 2025. C'est une certitude. On vous le jure sur la tête de la résistance. On vous le porte sur la tête de la résilience. On vous le confine sur la tête du chacun. Bien ici en Europe, nous vivons mal chez nous. Nos populations vivent mal. On a tant de Camerounais dans l'agonie, en train de subir une dictature, une répression sans précédent. Nous voulons le changement dans notre pays. Permettez-nous de mettre en évidence ce changement en nous autorisant à nous inscrire sur les listes électorales. Permettez aux Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales et d'accomplir les devoirs nationaux, citoyens et patriotiques. Rendez-vous. Douglas, as dit quoi? De combativité, de changement. Croyez à cet esprit de résilience qui vous anime.
Et cela prouve en suffisance que c'est nous les chefs, c'est nous les maîtres et c'est nous nos changements incontestés. Je le dis pourquoi? Parce que nous sommes ici et l'ambassade est fermée. Ça prouve tout simplement que c'est nous qui gérons ici. Il ne peut pas l'ouvrir parce que c'est nous. On prend possession de cette afin de rappeler à l'ambassadeur Edina que nos représentations diplomatiques dans la diaspora sont des organismes qui sont censés être indépendants. Un nom au service d'un parti politique. Et le camp est un organisme qui est censé être indépendant. Au service du peuple. Un nom au service d'un parti politique. Nous sommes les Camerounais de la diaspora. Vas-y, non, mon frère. Hey, calme-toi. Emina, copie de faux. Emina, copie de faux. Et le camp, fondeur, ambassade, complice. Et le camp. Elle est femme! Fondeur! 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 Ambassade! Complice! Elle est femme! Fondeur! Ambassade! Complice! Elle est femme! Fondeur! Ambassade! Complice! Evina! Complice! Evina! Complice! Evina! Complice! Bonsoir à la famille. En 2021, bonsoir à la famille. Sacrificiel. Très ému aujourd'hui de voir cette jeune. Vous savez, que les autorités belges. Un petit rappel d'histoire. Il y a un temps que la politique au Cameroun. Écoutez très bien, monsieur. Il y a un temps que la police au Cameroun était jeune juste par une catégorie de personnes. Est-ce que nous sommes à l'époque là? Olivier, Olivier, pas là, s'il te plaît. Voilà. C'est une responsabilité que je suis en train de rappeler. D'accord? Parce que c'est ça qu'il s'agit. Vous savez, il fut un temps que la politique au Cameroun était gérée juste, ou bien les engagés étaient juste les étudiants, ou encore les parents qui ont connu ce que c'est que la révolution. Écoutez, s'il vous plaît. Je vous en prie, s'il vous plaît. Je dis bien ceci. Parce que, sachez d'abord que vous êtes des indignes. Allô? C'est pas seulement lorsqu'on crie qu'on a prêté un agent. Il faut aussi que l'information passe. Parce qu'elle doit entrer dans votre système interne. Que ce soit, pas une affaire d'émotion ou que c'est une affaire que le mandat est en train de diriger la pensée de quelqu'un. Mais que ça devient une expérience. Nous sommes ici, mes chers frères, mes chers compatriotes, parce qu'on a pris conscience de quelque chose de très important. C'est que l'on a vécu personnellement, d'autres ont pris conscience au fur et à mesure que le processus est évolué. Le plus important, c'est que chacun d'entre nous, à un moment donné, accepte qu'il est un citoyen à part entière. Nous avons une constitution de notre nation qui est limitée, n'est-ce pas, à un certain âge, le droit à ce qu'on appelle le vote. Le vote est universel. Allô? Le vote est universel. C'est-à-dire que c'est une responsabilité majeure. On dit le vote, c'est pas un bulletin secret. C'est-à-dire que c'est chacun qui sait qui il va choisir en fonction de son analyse, en fonction des circonstances, en fonction de la réalité de sa nation. C'est important non seulement pour nous qui sommes là, c'est aussi pour rendre mémoire à nos pères qui ont été abandonnés et qui sont morts, et c'est aussi pour préparer l'avenir lointain de notre génération. Donc ce n'est pas une affaire d'émotion, c'est une affaire de responsabilité profonde qu'on doit prendre en considération. Que pendant que nous sommes ici en train de faire cette manifestation, nous savons que nous sommes en train de travailler réellement pour un peuple et pour une nation. Un peuple dont le système a choisi expressément d'éduire la conscience de sa population. Du mal qu'ils ont été choisis. Ils sont pris comme des êtres humains qui sont venus sur la terre, tout simplement pour les distractions. Donc pour la survie, c'est-à-dire quoi la survie? C'est-à-dire manger, boire, dormir, se reproduire et puis attendre au dernier ressort, la mort. Voilà ce que
La plupart des Camerounais connaissent ce qu'on appelle l'existence. Mais je vais vous rappeler que l'existence est encore plus profonde. L'existence est encore plus profonde. Le fait que nous avons la responsabilité de choisir qui va diriger notre nation demain est une responsabilité profonde. Parce que demain se prépare à partir de maintenant. Et si on doit réparer les erreurs du passé, c'est toujours à partir de maintenant. Donc, mes chers frères, comme nous sommes là, sont conscients de pourquoi nous sommes là. Et que ça vient de nous dire la manière que nous allons organiser cette manifestation et la manière qu'on va continuer dans l'avenir. Nous avons choisi, n'est-ce pas, un processus. C'est-à-dire quoi? À partir de maintenant, ce qu'on a fait en 2018, c'est qu'on n'a pas eu cet éveil avant les élections. Et ils nous ont piégés, n'est-ce pas? Merci que la jeunesse a pris conscience, n'est-ce pas? Les parents ont pris conscience. Toutes les nations ont pris conscience. Donc, comme on a commencé là, il faudrait qu'il y ait un stop jusqu'au jour des élections, n'est-ce pas? Donc, vous étiez à Paris, on t'a pris des mains, aujourd'hui, soit Bruxelles, n'est-ce pas? On va annoncer ailleurs, au fur et à mesure. C'est notre détermination, c'est notre combat, c'est tout ce que nous pouvons faire. Je vous remercie. Merci. 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 Paul bien, assassin. Paul bien, assassin. Évident, complice. Paul bien, assassin. Évident, complice. Paul bien, assassin. Évident, complice. Bonsoir, chers combattants. Nous sommes rassemblés ici aujourd'hui pour appeler la communauté internationale à témoin, les autorités belges aussi à témoin, et tous les Camerounais de la République. Arrête ça. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour dire non. Pour dire non à ce qui est en train de se préparer au Cameroun. Paul Biya, le président grabataire au pouvoir depuis 42 ans. Nous qui sommes nés aujourd'hui, nous sommes nés, Paul Biya était déjà au pouvoir. Est-ce que vous pouvez vous rendre compte de cela? Nous sommes rassemblés aujourd'hui devant l'ambassade pour dire non à ce qui est en train de se passer au Cameroun. Nous venons de voir ce qui s'est passé au Sénégal. Les Sénégalais ont voté récemment leur président. Et on n'a pas demandé aux Sénégalais de présenter une carte de résidence pour pouvoir voter leur président. Et ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui, c'est la fraude qui est en train de se préparer avec Paul Biya et Eleka. C'est un coup d'état électoral. Bien sûr, évidemment. Et nous sommes réunis aussi aujourd'hui pour dire non à cela. Parce que ce qui est en train de se passer, on n'a jamais vu ça. Aucun pays en Afrique, aucun pays au monde entier. Vous rendez compte, pour que je puisse voter, je présente ma carte et mon acte de naissance. Je présente mon passeport. Ce qui fait que je suis Camerounais. Mais pour cela, le gouvernement camerounais dit non, qu'on doit présenter une carte de résidence. Est-ce que c'est normal, mes frères? Est-ce que c'est normal? Nous nous rassemblons ici tous aujourd'hui, d'une seule voix, pour dire non. Et ce qui est en train de se passer, c'est parce que le régime de Biya et Elekam, ils sont en train de voir l'engouement que les jeunes Camerounais, parce que la jeunesse camerounaise, à l'heure actuelle au pays, ils ont pris conscience que c'est dans les urnes que nous allons changer notre avenir. Ce n'est pas dans les bars, ce n'est pas dans les boîtes de nuit, c'est dans les urnes. Et c'est la raison pour laquelle Elekam vient insérer cette mesure qui ne figure nulle part dans le code électoral au Cameroun, ni dans la constitution camerounaise. Est-ce que vous vous rendez compte? Si un citoyen belge au Cameroun veut voter actuellement, comment on va voter le 9, ici en Belgique, on demande aux citoyens belges de présenter sa carte de résidence camerounaise pour pouvoir voter. Est-ce que c'est normal, mes frères? Est-ce que c'est normal? Nous avons compris une fois de plus qu'ils ont peur de ce qui est en train d'arriver en 2025.
Et même nous qui sommes ici aujourd'hui, que nous, les Camerounais de la diaspora, que si cette mesure n'est pas retirée avant la fin, nous disons qu'il n'y aura pas vote en 2025 dans toutes les ambassades en diaspora. Nous disons ici et nous prenons Evina à témoin. Lui